Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui continuer notre Nissan Skyline avec le numéro 36, 37 et 38. Comme d'habitude, si cette collection vous intéresse, dans la description, vous avez le lien de chez Altaïa pour vous y abonner, le lien du groupe Facebook de construction. On s'abonne à la chaîne pour me suivre dans mes montages et on est parti pour ces trois numéros. Le numéro 36, création de la nouvelle Nissan Skyline GT-R R33. La Dodge Viper, le diable rouge, ça serait bien qu'ils nous en fassent une un jour, une Dodge, une Viper comme ça. La puissance sous contrôle. All Japan Sport Prototype Championship 90, partie 2. La sécurité turbo compressé de 5e génération et la partie avant de la carrosserie partie 2. Le pas à pas, le résultat. Le 37, le renforcement du châssis de la GTR. Nila, une femme mystérieuse. Mieux comprendre les écriers. La partie 1 du All Japan Touring Car. Une nouvelle Civia au style futuriste. Sous-châssis arrière et tondue de frein. Enfin, notre résultat. Le 38, la voiture de route unique Nismo Skyline GT-R LM. Les voitures à Tokyo. Tonneté les bielles au piston. Partie 2, un dénouement triomphal, la berline née du boom économique japonais et les rotules arrière. On commence par prendre la partie avant de la carrosserie. On va venir mettre le ventilateur secondaire à l'intérieur du boîtier. Et on met l'ensemble juste ici. On le tient avec une vis AM. On récupère l'ensemble avec le support de klaxon qui vient se mettre juste là. Et on y met une vis AM en bas. On reprend notre châssis. On va venir mettre tout l'ensemble, donc en mettant les klaxons comme ça en haut, on a tout l'ensemble vient devant ici. On va mettre deux vis AM ici et ici. On revient mettre deux vis AM ensuite au-dessus, de chaque côté par là. On récupère nos supports de radiateur du numéro 35 et on va venir les mettre à l'avant juste ici, dans les trous. On prend ensuite l'intercooler 2, donc la pièce 36i. On va venir la mettre à l'avant. Donc les trous sont un petit peu plus en bas. À venir juste là.
On la tient avec deux vis AM. On vient emboîter le 1 ensuite par-dessus. On récupère ensuite le réservoir de liquide ATSA du numéro 20. On va venir fixer le petit croûtier là sur le pitot juste ici de la partie inférieure du boîtier du filtre à air. On vient mettre l'ensemble par ici. Une fois mis, on le tient avec deux vis AM. On prend ensuite les deux parties du conduit d'admission, donc la supérieure et la inférieure, on vient les emboîter ensemble. Donc celui-ci vient dans ce sens-là. Et celui-là par là. On y met deux vis à paix. Et on va venir le mettre par ici. Voilà, on vient placer ensuite la partie supérieure du boîtier du filtre à air. Juste ici. On prend ensuite le panneau de saturation d'air, on vient le mettre en haut ici. Et on va y mettre deux vis QM. Enfin, on prend la tige de capot qu'on va venir mettre dans le trou par ici. Et dans lui par là. Et voilà pour ce numéro 36. Notre numéro 37. On va commencer par venir mettre les supports 1 et 2, donc les pièces C et D, qui sont marquées d'un L à chaque fois. On vient y mettre son autre pièce B. Donc la pièce B vient dans ce sens-là. On met la C sur la gauche avec le pitot vers le dessous, ici. On y met une vis OM. On vient mettre la D à côté, pareil, toujours le pitot vers le bas. Une vis OM également. On fait pareil avec le droit. Donc cette fois-ci, ça va être le F et le G, toujours les pitots vers le bas. Le G vient par là. Le F vient par ici. On va venir le mettre en place, alors, comme ça, le R vient par ici. Donc, il y a deux pitots à mettre.
et de Vissem. Et voilà. On reprend ensuite la cloison par feu. On va venir mettre nos 4 câbles dessus. On récupère les supports de tuyaux de frein de numéro 32 pour pouvoir venir les accrocher. Donc là, ils vont tous passer derrière ici. Le premier support qui va venir dans le coin. On continue à longer. Et on met le deuxième. On revient ensuite sur notre moteur. Ensuite, on revient par ici. On prend notre tuyau I. On va le faire passer dans le creux par là. Il va venir se brancher sur le pitot qu'on a de libre en dessous. Et on vient brancher l'autre bout au bout de la pompe à vide en haut ici. Le deuxième vient sur le téton inférieur. On vient ensuite mettre la cloison par feu en place. Et on y met deux vis CM. On va ensuite venir par ici et les 4 tuyaux qui sont là, on va venir les brancher sur les pitots qui sont par ici. Donc le 1, lui, qui est branché en premier à gauche, vient dans le coin ici. Le 2, c'est celui-là, il vient à côté. Le 3 ensuite vient par ici et le 4 à côté. Enfin, notre tuyau que l'on avait laissé va venir se brancher. Hop là, on le retourne, on le branche juste ici. On prend enfin le téton du collier de fixation de la conduite à vide. Donc il est là. Et on va venir le mettre par ici. Donc on l'accroche. Voilà, juste là. Et voilà pour ce numéro 37. Note 38, on commence par prendre la pièce A. On vient y mettre l'arbre d'articulation arrière gauche dedans. Donc il vient dans ce sens-là, elle ici. On va y mettre deux petits supports qu'on va tenir avec des vis AM.
On vient ensuite juste ici et on va y mettre notre pièce C. On le tient avec une vis AIM. On vient fixer ensuite la pièce D dessus, avec la partie courbée vers le bas, avec une vis GM. On reprend notre ensemble, on vient côté gauche et on va mettre justement la pièce qu'on vient de mettre dans le trou ici, avec une vis RM. On retourne ça, on emboîte comme il faut ici. Et on met une vis CM. On vient faire pareil de l'autre côté. La pièce G avec la vis AIM ensuite. Puis la hache, toujours courbée vers le bas, avec une vis GM. On vient de mettre par ici avec une vis RM. Et enfin, on vient mettre une vis CM par là. Et voilà pour ce numéro 38. Et voilà, ça y est pour ces trois numéros. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On s'abonne, on like, on partage, on vient me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!